Bon, salut les cocos, salut les coquettes. C'est bon ça comme entrée. Vous êtes dans 101%, c'est une émission formidable. Nos animateurs meurent mais la chaîne continue et pour vous prouver ceci, on va vous faire une petite surprise avec une nouvelle rubrique dans ce 101%. Je sais vous êtes curieux. Mais avant cela, excusez-moi, je remets ma mèche de cheveux, parce que c'est chiant les cheveux longs, surtout quand ils sont propres. Nous allons faire un petit sommaire, pas piquer des hannetons. Attention, c'est parti. La critique de jeu de Astro Boy, qui est un jeu sur toutes les plateformes, pardon, et qui est forcément dans l'actu du film. Alex, j'ai une grande question. Américain, je suppose, le film ? Je crois que c'est produit par les Américains et animé en Chine. Tezuka sera donc forcément très heureux de ce film. Je suis pas certain, hein, parce qu'ils l'ont habillé, Astro. Alors, et en plus ça, Astro est habillé, car vraisemblablement, c'est trop la honte d'avoir un enfant en slip et en bottes. Allez comprendre pourquoi. Donc, ensuite, on enchaîne avec cette fameuse nouvelle rubrique. Et qu'est-ce que c'est ? Et là, vous êtes heureux, si, si, souriez, joie dans les chaumières, Katsuka arrive enfin sur No Life. Et Katsuka, c'est quoi ? C'est un des plus vieux sites de France qui parle d'animation, plus de 10 ans. On n'a pas vérifié, mais il paraît que c'est même avant Google, hein, donc ça, on n'a pas vérifié. Donc, on le dit comme ça. Donc, Katsuka arrive chaque semaine, chaque... Toutes les deux semaines, en alternance avec Autoplay Sample. Voilà, donc vous regarderez ça sur le site, je sais pas quoi. Et donc, il nous fait le plaisir de nous faire une superbe rubrique d'animation sur No Life. Haha, qu'est-ce que c'est chouette. Ensuite, on aura... Attendez, je me souviens, parce que là, on a parlé longtemps, hein, quand même. C'est facile. Je sais que c'est facile. C'est Hidden Palace. Non, c'est la Minute du Geek. C'est la Minute du Geek. Vous voyez que c'est facile. Et ensuite, on aura un Tokyo Palais. Et sur quoi ? Sur le soleil de bois. Le Tokyo Café. Le Tokyo Café sur le soleil de bois. Bon, ouais. C'est pas très professionnel, tout c'est ça. C'est pas très professionnel. Mais je suis pas mort, au moins. Donc, tout de suite, les news. Le 1er janvier au matin, Narikawa Tetsuo nous a quittés à l'âge de 66 ans. Il était surtout connu en France pour sa prestation dans la série Tokusatsu Spectreman, dont il tenait le rôle principal. C'est une vieille série de 1971 qui fut diffusée assez tardivement en France, plus précisément en 1982 dans Recréa 2. Depuis les années 80, Narikawa Tetsuo avait laissé de côté sa carrière d'acteur pour se concentrer entièrement à l'enseignement du karaté. Il était venu en France au Cartooniste de Toulon en avril 2001, où il avait pu pour la première fois rencontrer la presse française, ainsi que les fans qui avaient vu Spectreman dans leur enfance. C'est le 18 février prochain que Konami sortira Puzzle Chronicles sur les consoles portables et un peu plus tard sur les plateformes de téléchargement des consoles HD. Développé par Infinite Interactive, le studio australien à l'origine de Puzzle Quest et Puzzle Quest Galactrix, ce titre se présente une nouvelle fois comme un mélange de puzzle et de RPG. L'objectif consistera à monter un personnage afin de le rendre suffisamment puissant pour qu'il renverse le roi corrompu de l'Empire Asharin. Les phases de jeu se présentent sous la forme d'un combat, prenant la forme d'un casse-tête. L'écran de jeu est divisé en deux, l'objectif consistant à réaliser des combinaisons de gemmes afin de lancer des sorts et autres attaques sur l'écran adverse. Chaque bataille remportée sera l'occasion d'engranger des points d'expérience qui permettront de faire évoluer son personnage et même d'élever et d'entraîner des familiers. Et comme dans n'importe quel RPG, Puzzle Chronicles proposera aussi son lot de quêtes secondaires, assurant ainsi au jeu une durée de vie plus que conséquente. Just turning up shows your commitment to the process. Voici le tout dernier trailer bien flippant de Silent Hill Shattered Memories, qui sortira le 4 mars prochain sur Wii, mais également sur PSP et PS2. Et oui, le jeu a finalement écopé d'un PEGI 16+, mais accrochez-vous quand même à votre pantalon. We take this at your pace. We go back to the start. Understand what happened. Let's get started then. Looking for my daughter. Your ID says you live on 11th Street. That's a few blocks from here. What are you people doing in my house? Cheryl! You are upsetting my wife. It's my house! It's my damn house! Cheryl!
I'm Dahlia. C'était de bien belle news. C'est la nouvelle phrase que j'adore sur cette présentation de 120%. C'est bon. Allez, je recommence. C'était de superbe news, non pas de bien belle news. La critique de jeu. Alors, je suis super étonné parce que le film est-il en 3D, finalement, Alex ? Il est en image de synthèse, en tout cas. Oui, mais avec les lunettes, tu sais, depuis Avatar, là. J'ai pas vérifié, là. Tu me demandes comme ça, là. D'accord. Bon, bah, vous voyez, on est des geeks, mais pas tant que ça. Donc, on verra ça plus tard, on se renseigne et puis on regarde. En attendant, donc, c'est la critique de jeu sur toutes les plateformes. Astro Boy débarque et va vous en foutre plein la vue. Astro le petit robot est l'un des personnages les plus célèbres de Tezuka Osamu et fut également le héros de la toute première série animée japonaise. Il est revenu à la fin de l'année dernière dans un long métrage en images de synthèse. Du coup, les lois de la cross-promotion étant immuables, il était évident qu'un jeu vidéo adapté du film verrait lui aussi le jour. Ce jeu, baptisé simplement Astro Boy, est développé par le studio High Voltage. Bien qu'en 3D, Astro Boy suit un gameplay 2D, alternant phases de shoot 'em up et de beat 'em all. Astro Boy doit se battre pour libérer Metro City des méchants qui la menacent, utilisant ses poings, pieds et rayons laser pour annihiler la vermine. Il possède également des pouvoirs spéciaux en nombre limité, mais il peut en regagner à force de détruire des ennemis. Ses pouvoirs lui permettent de recharger sa barre de vie, de tirer un méga laser, ou encore de toucher tous les ennemis à l'écran avec les mitraillettes cachées dans son postérieur. Les connaisseurs commencent sans doute à se rendre compte que le gameplay de cet Astro Boy rappelle énormément celui d'un autre jeu mettant en scène le personnage, Astro Boy The Omega Factor, un jeu développé par Treasure et sorti sur Game Boy Advance en 2003. C'est bien simple, toutes les bonnes idées d'Astro Boy sur Wii sont reprises d'Omega Factor. Malheureusement, n'est pas Treasure qui veut, le jeu de High Voltage se révèle assez mou et redondant. Les graphismes sont corrects dans les phases de gameplay, à condition de ne pas regarder les personnages de trop près. Hélas, le joueur sera obligé de le faire lors des multiples scènes cinématiques. Astro Boy n'est pas un mauvais jeu, il manque simplement de fun, sans compter que de nombreux jeux WiiWare proposent le même type de gameplay, avec plus de punch et pour moins cher. Comme quoi, il ne suffit pas de recopier le game design d'un jeu réussi pour en faire automatiquement un hit. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais est-ce que t'as vu quand même que Astro Boy, ils lui ont fait cette espèce d'horrible petit rictus compassionnel, typique des têtes qu'il y a dans les films de DreamWorks ? Non, je n'ai pas remarqué, Alex, je suis désolé. Bah, ça m'étonne, hein ? Ouais, mais puisqu'on parle de DreamWorks, je vous invite tous à... Ah non, mais je suis désolé, ça clignote devant. Hein. Oui, mais t'occupes. D'accord, je m'occupe pas. Donc je découvre qu'une caméra fait des clignotements rouges, c'est pas grave. Donc je vous invite à regarder sur le site de No Life, aux abonnements, etc., les vidéos online, la formidable carte blanche de Satoshi Kon, où il fait un très beau parallèle entre les studios japonais et DreamWorks notamment. Donc allez-y, c'est gratuit ou payant en fonction que vous ayez votre abonnement ou pas encore. Mais ça on s'en fout, c'était absolument pas de la pub déguisée, c'est parce que vraiment ça tue ce truc. Salut, vous regardez Katsuka, émission consacrée au cinéma d'animation, tous horizons et formats confondus. Au programme, des actualités, des projets en cours, des courts-métrages, des focus sur des œuvres et des artistes, bref, des choses qui me stimulent et dont j'ai l'habitude de parler sur mon site katsuka.com. La Web TV d'Ankama souhaite proposer des programmes de plus en plus variés et s'est bien joué depuis Noël avec la diffusion de Gurren Lagann, excellentissime série de robots produite par la Gainax en 2008. Elle est réalisée par Imaishi Hiroyuki, animateur de formation au style bien nerveux, qui avait notamment signé l'OVNI Dead Leaves ou encore le troisième épisode d'Abenomachi parodiant l'univers SF. On regarde tout de suite le teaser de Gurren Lagann. Thank you.
Le célèbre Rintaro sera présent le samedi 29 janvier au Forum des Images à Paris pour une avant-première de Yona, long-métrage 3D pour enfants, qui sort chez nous le 3 février prochain. Ce vétéran de l'animation a notamment signé les films de Metropolis, X, Galaxy Express et travaillé déjà en 1963 avec Tezuka sur la première série d'Astro Boy. Son nouveau film est franco-japonais, un projet impulsé par le producteur Denis Friedman, impliquant les studios Madhouse au Japon et Dev to Shoot en France. On y retrouve notamment Cédric Babouche à la direction artistique et l'illustrateur Terada Katsuya au design des personnages. Voici tout de suite la bande-annonce en VF. Puis-je me permettre de t'inviter au Grand Bazar Pingouin? Wow! Un paradis pour tous les amoureux des pingouins. Il est vrai que tout cela est étrange. Mais qu'est-ce qui se passe? Et où tu m'emmènes? Regarde, tout le village est venu t'accueillir. C'est elle dont la légende a annoncé la venue. Tu es notre seul espoir. S'il te plaît, protège mon peuple de l'infâme Boukabou, l'empereur des ténèbres. Toi, ma petite, tu me le paieras. Un matin comme les autres, Naya joue à cache-cache avec son grand frère Baydir. L'instant d'après, la pièce est dévastée et Naya a disparu. Baydir entreprend alors une quête effrénée dans un monde fantastique. Ce projet de série télé est porté par Charles Lefebvre, Thierry Rivière et Slimane Anis. Ils ont réalisé l'an dernier, et dans leur garage, comme on dit, un très beau petit teaser sans dialogue afin de rechercher producteurs et financeurs. Le feedback fut bon et ils s'attaquent désormais à la Bible littéraire afin de trouver des partenaires et produire un premier épisode pilote. Voici le divin résultat d'un stage d'été réalisé l'an dernier chez Wiz Design par 5 étudiants de l'école des Gobelins. Ça s'appelle Jésus 2000, un petit délire d'une minute sacrément bien animé et sonorisé. Bravo donc à Rémi Basti, Jean-Baptiste Cumon, Clément Desnaux, Jonathan Job Kondo et Nicolas Pégon. Pour leur stage évidemment validé.
Oui, oui, moi aussi je m'aime. Ne poussez pas, mademoiselle, il y en aura pour tous les... Cette rubrique est consacrée à des gens de l'animation, ces people souvent méconnus. Aujourd'hui, on va vous présenter deux courts-métrages entièrement réalisés par Mihara Michio, un animateur japonais au style assez original, empreint d'influences diverses, puisqu'il est fan d'artistes occidentaux, comme par exemple l'auteur de BD français Baru, sa patte pouvant aussi faire penser au travail de Plimpton. Il a notamment travaillé sur Ninja Scroll, Princesse Mononoke, sur le film de Jinro, où il a animé des plans de foule et d'émeutes au début du film, ou encore sur la plupart des films de Kon Satoshi, comme Paprika, où il s'est occupé de la scène de la parade d'objets. Plus récemment, il s'est aussi fait remarquer sur des séries comme Kaiba et Kemonozume, produites par Madhouse, en animant à lui seul des épisodes entiers. Voici donc 2005 Space Odyssey et Okashina Hotel, ces deux courts-métrages indépendants. Mais qui est donc le créateur des mascottes de Katsuka que vous venez de voir dans l'habillage de l'émission? Eh bien, il s'agit de Gobi, auteur BD sur les séries Blue Cops et Lucha Libre notamment. Un petit gars talentueux, alors pour la peine, je me permets de vous informer qu'il va participer à une performance graphique sur le festival d'Angoulême avec ses amis auteurs Bill et Fabien Mans. Ça s'appelle Golden Fist of Apocalypse, ça se déroulera les 29 et 30 janvier à 18h au Manga Building. Ils vont s'éclater sur des tablettes graphiques, bref, ça va être bien, faut y aller. Voilà pour cette première émission Katsuka et ma première voix off, soyez indulgents s'il vous plaît. Donc il est temps de vous dire à dans deux semaines. On est
n'est jamais assez geek. On n'est jamais assez geek. Non, mais sans déconner, cette histoire de 3D, là, des lunettes, super important parce que Cameron, avec son histoire d'Avatar, là, il est en train de nous changer la face du cinéma, l'air de rien. Parce que maintenant qu'il a fait le film le plus rentable avec les lunettes 3D, je suppose qu'il va être hors de question à Hollywood de voir un film d'action ou quoi que ce soit, les gros blockbusters de l'été, par exemple, sans ces fameuses lunettes. Alors, Cameron, dis-nous donc pourquoi tu n'as pas investi dans une usine de fabrication de lunettes 3D. Hein? Bon, allez, la minute du geek. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Cyrano est un des plus beaux héros du théâtre français. Mais saviez-vous qu'Edmond Rostand s'est en fait inspiré d'un personnage réel? Je me disais bien que non. Hector Savinien de Cyrano de Bergerac était son nom. La pièce de Rostand se base sur des faits. Cyrano se bâtit à Arras, dans la compagnie des cadets. Il fut dramaturge, poète et de l'escrime virtuose. Son nez était fort grand, ainsi que bien des choses. Et il mourut lorsqu'une poutre lui chut sur la tête. Il avait 36 ans. C'est quand même un peu bête. Seule sa gasconnade était une belle arnaque, car Cyrano n'est pas né en Dordogne à Bergerac, même si le personnage rendit cette ville fameuse, son Bergerac était dans la vallée de Chevreuse. Mais Cyrano est aussi connu comme un précurseur de la science-fiction. Non, il n'y a pas d'erreur. Vers 1650, il écrivit un texte auquel Rostand fait d'ailleurs référence dans sa pièce en passant, « L'histoire comique des États et empires de la Lune », qui ne fut publié qu'à titre posthume. On y suit les exploits d'un certain Dircona, anagramme de l'auteur, cela va de soi, qui s'envole vers la Lune et toutes ses merveilles avant de partir aux empires du Soleil. Cette deuxième aventure est restée inachevée, mais sa verve fait mouche et sa prose rêver. Entre science et farce, ces deux textes pleins d'humour furent sans doute les premiers récits SF à voir le jour. Philosophe, physicien, rimeur, bretteur, musicien, et même voyageur aérien, grand riposteur du tac au tac, amant aussi, pas pour son bien. Sigy, Hercule Savinien, de Cyrano de Bergerac, qui fut tout et qui ne fut rien. Je vais encore pleurer. C'était la minute du geek sur Cyrano. Et ça, franchement, je trouve que ça n'est pas temps d'arriver à faire une minute du geek sur Cyrano. Moi, je n'ai pas vu, mais ça devait être incroyable. En tout cas, ça m'étonnera toujours ce qu'on arrive à passer sur cette chaîne. Tout de suite, on va vous faire une grande annonce, enfin surtout Alex. Il y a un Tokyo Café, donc ce n'est pas du tout une grande annonce. Un Tokyo Café qui arrive juste là sur un thème qui s'appelle le Kino Taiyo. Ouais, le festival Kino Taiyo. Oui, ben, je voulais juste te dire un petit truc sur... tu sais, moi, je suis un puriste un peu de la langue. Voilà. Et... Monsieur Otak parle, chef des Otak. Vous avez la parole. Alors, Kin no Taiyo, donc là-bas, ça voulait dire le soleil en or, le soleil doré. Hein. Donc, Kin, c'est l'or, No, c'est le 2, et Taiyo, c'est le soleil. C'est le soleil d'or. Le soleil d'or. Seulement, pour que les Français arrivent mieux à le prononcer, ils ont écrit sur l'affiche Kin no Taiyo, avec un seul N. Tu vois, au lieu d'écrire Kin, oui, No, un seul mot, ils ont écrit Kin no Taiyo. Ce qui veut dire, quand même, le soleil en bois. Ce qui est bien loin de la signification première. C'est pas moche, hein, c'est poétique le soleil en bois. Oui, mais c'est un petit peu mais moins réfléchissant. C'est comme la valise en carton, quoi. C'est un petit peu la valise en carton. Donc nous allons voir ce festival en bois. Non, pas du tout, c'est un festival super intéressant. Très mondain, en tout cas. Ouais, très mondain, en tout cas, dans ce sujet-là. Mais bon, c'est du film japonais. On m'a souligné d'ailleurs tout à l'heure que c'était des films récents qui passaient. Donc, ils ne sont pas sortis dans des circuits de distribution officiels, je suppose, en France. Et que vous aurez donc l'occasion de voir dans ce fameux festival en bois. Ou non, de comment on dit ? いらっしゃいませ. Tokyo Café, ようこそ. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui ? Salut tout le monde, c'est Tsuzuka. 私今日は何をしてるかと言いますとね、そこのドラッポを見えますか、ドラッポ。木の太陽、金の太陽のオープニングセレモニーにやってきています。さあ、こちらがね、そのオープニングセレモニーの会場になるわけなんですけれども、一体どんな日本の映画が、そう、金の太陽って何かと言いますとね、日本の映画のフェスティバルなんですね。会場こんな感じになっております。ですね、あちらの方では写真も展示してあってね、この金の太陽今年で6回目かなになるんですけれども、今までどんなものが参加あったのかっていうのもこちらの方でチェックできるようになってます。東京ですね、ここ渋谷の街。そう、映画だけじゃなくてこうね、日本のちょっとした文化だったり
建物だったりそんなものも写真でチェックできます。例えばこんな日本の猫、日本の猫じゃなんかもね、エクスキューゼもエクスキューゼヌ、すいませんエクスキューゼヌ。こちらの方ではですね、こちらにもこちらの方にもね、写真が出ていて、なんとお酒が出ています。ボスワー、セケルサケセコア、ケスクセ、サネクリサケ、トゥダフェ、セマーケソラブタイ、松竹梅ですね、ピュージュルグテ、ありがとうございます。お酒はね、みんな飲みすぎないように美味しく飲んでください。ではいただきます。日本の味がします。グッドジャパン。はい、ですね、オープニングセレモニープロジェクション、ハッピーフライト、ハッピーフライトのねプロジェクションがこれから始まりますね。楽しみです。ボンソワー。voilà. Bonsoir. Alors, je vous en prie, vous pouvez rentrer. Ce sera à partir du 3e rang sur l'allée centrale. Merci beaucoup. 後ろの方に行きましょう。うぴす、ないですね。ね、ノーライフって声かけられると嬉しいですね。Excusez-moi, excusez-nous。あれですね、舞台にお琴が置いてあるので琴の演奏なんかもありそうですね。オープニングムービーのハッピーフライト見たんですけど、すごいね、映画面白かったです。ということで、これから私たちは一体どこへ、こう映画館を出てですね、こうタピフージュでしょ、タピフージュ、タピフージュをスイーブルしていくと、どこに行くんでしょうか。ちょっと寒いんだけども、やっぱね、これあ、おまわりさんもいますね。さあ、タピフージュタピフージュ、どう、咳止めてるのすごい、ありえない。Frio, mange, c'est faire, Alice. Non, là, non, là, non, c'est une estime. Canal 61. Finalement, estrade, c'est quoi ? L'estrade, c'est la scène. Il y a la scène, ça, stage, il y a la scène. Je ne suis pas prêt à chanter aujourd'hui. Alors, commençons par le présent de Kinotayon, Monsieur Motoro. Bonsoir, Monsieur Motoro. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue au festival Kinotayon. Je vous présente, s'il vous plaît.監督の中村と申します。日本ではもう本当に監督のね作品は結構本当に有名で、私も拝見したんですけども、フランス人に受け入れられたことはどうでしょう。いや、分かんないですね、本当に日本のお客さんも何割かいたみたいですし、なんか分かんないですね。こっち来ても全然映画の話題をする人も、僕の映画の話題をする人もいないし、なんかおかしな映画祭だなと思ってます。ありがとうございます本当にね、すごいフィスティバル素敵で、本当にスーツトラージがね、すごい最高です。みんなもこの機会に日本の映画をたくさん楽しんでくださいね。ブブレ、コンブブレ。Kinotayo, ça t'a plu ? J'ai pas vu, t'es marrant toi. Joue le jeu, joue le jeu. Ah bah non, mais on n'est pas là pour mentir, c'est pas parce que Davy est parti qu'on change notre charte. Hein. C'est bon quoi, on reste les mêmes, on a dit Alex. Non. D'accord, bon, t'as raison, excuse-moi, je me suis laissé un peu. Ah, ça va pas, hein. Oh, là, il pète les plombs en 2018. Alors, donc, c'était, voilà, bah, je vous dis au revoir en fait, à bientôt. Allez, à bientôt.